Oh là 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 là. Alors les amis, on a du vent là, c'est ouf, c'est dur dur. Le temps est en train de changer encore. Vous l'avez vu la tape là? Oh là là, c'est pas piqué la cocotte. Bon les amis, hein, toujours pareil, la petite butée, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc du coup là, comme je lance pas, je laisse le bas de ligne à l'extérieur, je ne viens pas le mettre dans le méthode. Voilà, allez, on va poser ça. On va essayer d'en faire un poisson s'ils sont rentrés. Hop, la rotation. J'ai un petit peu de morceaux qui sont tombés, mais c'est pas grave. Allez, je pose délicatement. Toc. Je lance un petit peu de pelé pour rappeler un petit peu de temps en temps, en espérant que les esturgeons ne viennent pas casser le cou, parce que c'est le problème des esturgeons, c'est qu'ils ont tendance à avoir le dessus sur les carpes. Donc quand elles arrivent sur le poste, ça fout un peu le bordel. Voilà, une rafale de vent. Voilà, j'ai raison que j'ai tenu la canne parce qu'elle partait. Bon, bah du coup, je vais remettre à bouffer. Ah! Zut. Sûrement un poisson qui est passé dans le fil et qui m'a fait descendre l'indicateur. Ah ah ah, j'ai encore une petite tapette. Attention. C'est pas franc-franc là. Pas pratique avec le vent là, les amis. Il y a un truc bizarre là. Oh non! Ah oui, il y avait un truc bizarre. Ah bah oui, mais c'est un NS. Je comprenais pas ce qui se passait parce que j'ai dit, mais c'est bizarre. Et en fait, il a dû le prendre en... Il a dû le prendre en descendant. Oh, aïe, aïe, aïe. Là, je vous disais, c'est parce que j'ai balancé les pelés tout à l'heure, j'ai fait du bruit. Ouais. C'est pas ce que je recherche aujourd'hui, mais bon. Ah, j'ai bien pris par la bouche, c'est cool. Pour les prendre par la queue, ça va pas être évident. Un petit nénès de 70-80 cm. Voilà. Allez, je vais m'en occuper. On se retrouve pour la
Parce que là, j'ai le boîtier juste à côté, là, je peux pas l'attraper. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, c'est pas très violent les touches au Paul Method Feeder aujourd'hui, mais c'est pas plus mal. Hein. C'était, franchement, là, il a dû me prendre mon appât en descendant. Donc, il fait pas loin du mètre en fait. Hein. Je le voyais plus petit que ça. Voilà. Ah, attends, pépère. Pas évident. Ah, bah ça, merci. J'ai eu droit à la petite claque. Allez. Voilà. Voilà les amis. Les petits pépères. Nickel. Un petit bonhomme. Avec tes petites moustaches. Allez. Direction. Remise à l'eau. Ouais, c'est important de s'appliquer et de prendre son temps pour le remettre à l'eau. Ouais, c'est important de le laisser récupérer. Ouais, ça y est, il est parti. Yes. Il va escaler au fond là. Il va nous laisser tranquille pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu penses? Allez les amis, on continue. Zou. Hop. Voilà, petit montage sympa, très rapide, et puis qu'à. Hop, on quitte. Hop. En tout cas, c'est une pêche assez sympathique à faire et très plaisante. Ça change un peu. Puis pour la sensation de voir le bouchon couler rapidement, la tension élastique. Bon, aujourd'hui, ça a l'air d'être assez calme quand même. Les poissons partent doucement. La preuve qu'ils tatillonnent. Hein. C'est pas. Pour le moment, on n'a pas eu vraiment une grosse touche violente. Mais bon, on va croiser les doigts. Ah, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du vent. Hein. Je suis désolé pour le micro. Et justement, aujourd'hui, ça s'y prête très très bien avec le vent qu'il y a, les rafales et tout. Au moins, j'ai la ligne qui est fixe à la plume de mon sion qui ne bouge pas. C'est pas plus mal. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai une petite tape là. Après, c'est aussi, ça peut être un poisson qui frotte le fil. Hein. Ouais, ouais, attention. Ouais, ça serait bien encore un esturgeon. Ah, si c'est les esturgeons, c'est pas cool pour moi. C'est pas que j'aime pas faire les esturgeons, mais c'est pas ce que je recherche. Et comme je disais, ça a tendance à foutre le bordel sur le coup que vous amorcez. Faut tout recommencer parce que ils font fuir les carpes. Hein. Bon les amis, comme je me doutais un peu, j'ai attendu un petit moment, j'avais des petites touches. Malheureusement, la carte SD était pleine, donc vous n'avez pas vu le combat. Mais j'en refais encore un esturgeon. Je me pose même la question si c'est pas le même, vous voyez. Donc joli combat encore au Paul Method Feeder. Attends bonhomme. Essayez de vous le montrer, puis on va le remettre à l'eau. Allez les amis. Allez, barbillon tout nickel, pas abîmé. On va continuer à respecter ce poisson. On va le remettre à l'eau. Mais moi, c'est pas ce que je cherchais, les carpes. C'est surtout les carpes que je voulais faire. Et quand vous avez les esturgeons sur le coup, c'est pas gagné. Allez, on va le remettre à l'eau. Je vais aller le mettre un peu plus loin, mais il va sûrement revenir.
c'est se reposer un petit peu, hein. On va le laisser tranquillement reprendre. Bon là vous voyez pas, mais c'est important voilà, de le laisser partir naturellement, ne pas le remettre tout de suite à l'eau, le retenir. Moi je le retenais avec le brancard, voilà, bon, il est parti. On va espérer que ils vont nous laisser un petit peu tranquille, ça serait cool. Bon, ce que je vais faire, si vraiment je vois que ça tatillonne et touche, je vais repasser au bouchon 5-10 minutes pour essayer de refaire venir le poisson et puis on verra. Bon les amis, on va profiter un petit peu du soleil. Ce que je vais faire là, c'est que je vais tester un petit peu la patte, voir, juste pour voir un truc. Et puis après je repasse au palmetto de feeder. On va mettre un petit peu de pelée. Alors j'ai pêché bien sûr sur le coup où je pêche au pond méthode feeder. Ce que j'ai dit est bizarre, j'ai des touches. Ah c'était sûrement les sturgeons aussi. Hein. Je pense. Voilà. On va essayer comme ça. Un petit quart d'heure, 20 minutes. Et je repasserai au... juste pour voir un truc. Par acquis de conscience, je vais juste aller voir quelque chose. Ah, bien sûr, c'est au moment où le vent se lève que je me mets à pêcher à la patte. Ouais, j'ai des tapes, hein, c'est bien ce qui me semblait. Allez, ah, j'avais bien vu. Ah. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein, donc j'ai bien du poisson sur mon cou, mais il titille sur le méthode. Et là, vraiment... Bon, je sais pas ce que j'ai piqué, j'espère que c'est une carpe. Vu comme ça se bat, je pense que oui, mais on va voir. Ah, c'est bien parti là. Ah, vous voyez hein, les amis, ça vaut le coup de temps en temps de... Bon, j'avais préparé un kit à côté. Bon, j'étais parti pour faire une vidéo au pôle méthode feeder. Hein. Mais bon, comme je vous disais en introduction de la vidéo, en ce moment c'est difficile. Je pars sur une stratégie et en cours de pêche... je change. Donc bah là c'est le cas concret. Hein. Je vois, j'ai bien du poisson. Oh là là. Eh ben c'est encore un esturgeon. Je ne sais pas si vous avez vu le saut, mais. Donc là, j'ai pas de bol. Hein. J'ai les esturgeons sur le cou. Là. Ça va être difficile de faire de la carpe. Hein. En tout cas, pour l'instant, ça va être difficile. Ah, elle vient de me faire une chandelle. Je ne sais pas si c'est passé. Une magnifique chandelle. Bon, allez, je m'occupe du poisson, les amis. A tout de suite. Bon les amis, vous avez vu, hein, j'ai changé de stratégie rapidement hein, pour voir un petit truc, parce que ça me semblait bizarre, j'avais des petites tirettes, vous n'avez pas vu, parce que, comme je disais, j'avais plus rien, hein, ma carte SD était pleine, mais j'ai des petites tirettes, des petites touches au feeder, hein, comme Paul méthode feeder, comme si on pêchait à la canne en fait, hein. On voit des petites tapes, puis ça relâche tout de suite, et là c'était pareil, donc là du coup, comme je suis à distance de pêche, j'ai mis ma canne à la patte, et c'est tout de suite parti, j'avais tout de suite parti. Bon, bah encore un esturgeon. Bon, je vais pas me plaindre, je fais du poisson, mais c'est pas ce que je recherche. Voilà. Un joli pépère. Attention, bonhomme. Et ils ont la santé. Ils m'ont fait un joli combat, bien piqué. Hein. Celui-là, il est pas harponné. Allez, tu veux pas passer à la télé? Allez, dépêche-toi. Allez. Camarade, et pas décidé. Dans l'autre fois. Alors quand vous avez des difficultés comme ça avec le poisson, la bassine d'eau. Un bon coup de flotte dessus, même si j'ai de l'eau déjà dans le brancard au fond. Vous avez, normalement, ça les calme un peu. Pour vous le montrer. J'y viens normalement. Voilà. Joli bonhomme. Allez les amis, voyez, un peu d'eau dans une cage. Hop, ça le calme tout de suite. Allez les amis, on va le remettre à l'eau, bien loin de mon poste, pour au moins essayer de faire de la carpe. Voilà, on va essayer de mettre un petit peu plus loin de mon poste là.
une quarantaine de mètres, mais... Bon, il a été piqué à la bouche, il va peut-être me laisser tranquille un petit peu, quoi. Mais ça sent pas bon pour la carpe. Hop, allez. Petite remise à l'eau, tranquillou. Pour ce temps-là, bah, ça permet aussi que le poste se calme, hein, entre les touches. Bah, ça fait quand même, je crois que c'est mon quatrième esturgeon aujourd'hui. Ah, on va le laisser tranquille. On va prendre peinard. Allez, on va essayer de le mettre droit. Oh, c'est bon, il a compris. Là. Ah, il m'a fait un joli, une belle chandelle et un beau combat. Je ne sais pas si la chandelle vous l'aurez vu, mais il est bien sorti de l'eau. Là. Allez, petit bonhomme. Il a le nez coincé sur le brancard. Voilà. Allez, vas-y. Toc. C'est parti. Bon, on va essayer de faire une carpe, les amis. Mais pour être très honnête avec vous, je le sens pas bien. Allez, à tout à l'heure. Hop. Ah, c'est du sport, hein. Avec ces esturgeons qui nous embêtent un petit peu. Bah, ça m'embête, je fais du poisson. Si c'est... Je suis sûr que je ferais de la carpe s'ils n'étaient pas sur mon cou. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'en profite, là, petite dédicace à Christophe. Donc Christophe, là, tu vois, je suis en train d'essayer ta patte que tu m'as envoyée. C'est un abonné qui me suit depuis le début et qui fait de la patte. Et je suis en train d'essayer la patte qu'il m'a envoyée en test. Bon, bah Christophe, je viens de faire un esturgeon avec. J'adore ta patte parce que franchement, le mouillage est assez facile. Si tu surmouilles, elle a une patte molle. Je suis en train d'apprendre à connaître le produit. Et il y a des bonnes odeurs là-dedans, surtout mouillée. C'est impressionnant l'odeur qu'elle a. Donc, bah écoute, hein, si tu veux m'en refaire, Christophe, il n'y a pas de problème. Hein. Je signe tout de suite. En tout cas, nickel. Donc, je te ferai un retour de ta patte, bien sûr. Tu vois, je suis en train de la tester. Donc, voilà. En tout cas, merci pour la patte. C'est sympa. Allez, on continue, les amis. Du coup, je vais essayer encore une fois la patte. La patte à Christophe. Parfait. Alors, le problème, c'est que c'est pour ça, si je vais arrêter de lancer du pelé à la main, parce que ça les appelle. Hein. Les sturgeons... ça entend le bruit du pelé dans l'eau et ça vient tout de suite. Hein. Allez. Voilà. Profitez qu'il y a un peu moins de vent. Ça continue la poisse, façon de parler. Là, c'est la batterie qui a lâché. Donc, vous n'avez pas vu le combat. Donc, je suis repassé au pôle méthode. Et là, je retape de la carpe, donc les esturgeons sont partis, peut-être. Petit poisson, là. Nickel. Vous avez pas vu le combat, mais elle est bien partie, celle-là. C'est dommage. Allez, on va la remettre à l'eau, puis on va essayer d'en faire d'autres. Allez, mademoiselle. Oh là 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 là, les amis. C'est le poisson qui est dessus, hein, mais... Je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais repasser à la patte parce que le poisson est là et j'arrive pas à le piquer. Parce que je vois bien les petites touches rikiki. Là. Moi, je pense que c'est encore un esturgeon, hein, mais bon, il faut mieux que je fasse partir du poste. Piqué. Allez, cocotte. Ah, c'est une belle carpe en plus, les amis. Allez, cocotte. Ouhou. Ouais, voyez, à la patte. Ouh. Un joli poisson. Très joli poisson.
Yes! Ah là, j'ai fait un beau poisson, les amis. Super! Bon, c'est pas au pôle méthode fineur, c'est à la patte. À la patte de Christophe. Tiens. Ouh là là! Une boule! J'arrive même pas à la lever. Allez, on va lui remouiller la tronche. Qu'elle se calme. Allez, mademoiselle. Ouais. Joli poisson, les amis, là. Une boule. À la pasta. Allez, on va les remettre à l'eau. Allez, hop. Ouh, je l'ai pas pesé, mais bon. Un petit steak. Allez, faut profiter de la mise à l'eau, les amis. Puis je pense qu'on va arrêter là-dessus parce que le temps passe. Super content. Ah, ça fait plaisir. Gardez-moi ça, ce steak. Qu'est-ce que t'en penses, Rawen? Magnifique poisson avec de belles couleurs. T'as vu, mon loulou? Elle est belle, hein? Regarde. Gardez-moi ce dos, ces grosses écailles. Allez, on va laisser repartir tranquillement la petite demoiselle. Jolie boubouche. Oh, c'est magnifique, ça. T'as vu, mon Rawen? Allez, on va s'y jouer. On va laisser repartir en marche arrière. Allez, je vais voir si... Hop. Yes. Wow. Nickel. Et le soleil qui est là de retour. Je vais profiter de ce petit soleil de Normandie pour vous faire la conclusion. Moi, je vais encore pêcher un petit peu, mais cette fois-ci pour moi, je vais éteindre le boîtier, je vais pas me concentrer à la pêche. Il me reste à peu près 45 minutes avant de remballer parce qu'il y a encore le confinement, malheureusement. Je sais pas quand est-ce que je diffuserai la vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit film vous aura plu, hein, une approche vraiment détente aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas pêché au pôle méthode feeder en étang. La dernière fois, c'était en rivière. Vous avez vu, c'est assez simple. Si vous voulez vraiment avoir des explications, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai les liens, comme ça, pour éviter de vous chercher sur la multitude de vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Bah, Christophe, tu viens de voir, je viens de tester ta patte, hein, nickel. Donc aujourd'hui, mon approche était assez simple. Dépeler Banoffee en 2 mm. Le mix Banoffee des Dumbbells de chez Sonubets. Voilà. Et Pineapple, aujourd'hui, tout simple. Une approche donc vous avez eu à la fois au cou traditionnel à la patte et au pôle méthode feeder. Bon, la pêche reste quand même assez difficile, vous avez vu les touches, les poissons sont assez titilleux, si ça se dit, je sais pas si ça se dit titilleux, mais enfin bon, vous m'avez compris, quoi. Voilà, Christophe, merci pour ta patte, je l'ai testée, je vais encore la tester, bien sûr, il m'en reste encore. Merci beaucoup, c'est sympa de m'avoir fait découvrir ton produit que tu crées pour toi. Alors, en tout cas, il a de bonnes odeurs, j'apprécie beaucoup la texture et ces épices qui sont dedans. Voilà, merci Christophe. Eh bien, rejoignez-nous, abonnez-vous, pensez à cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de recevoir les alarmes pour de nouvelles vidéos ou des lives. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et moi je continue à pêcher. Bye bye, ciao !